Previously in the Crafting Dead. J'entends marcher. Méfiance. Ah putain! Ah putain! On attaque! Oh la vache! Je vais vous expliquer quand même ce qui vient de m'arriver. Mon putain! Ouf, qu'est-ce que c'était? Et nous avons le mousquet. Donc l'arme c'est fait. Objectif numéro 1, l'arme c'est fait. Donc maintenant nous allons fabriquer les balles. Alors là ça va me charger dessus, je vais me mettre là. Ça va me cogner je pense à un moment. Ah! Oh j'ai tué Rogus! J'ai tué Rogus d'un coup de fusil dans la poitrine! Ah oh, ce truc de fou! Eh bien bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour l'épisode 4 de la saison 2 de The Crafting Dead. J'espère que vous allez bien, merci d'avoir suivi eh bien, les 3 premiers épisodes. Vous le voyez derrière moi par la fenêtre, le soleil est en train de se coucher, la nuit s'annonce épique et éprouvante. Vous l'avez compris, dans cette saison 2, tout peut arriver et on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Vous l'entendez, je viens donc de relancer ma partie et je ne sais pas quelle créature est en train de se promener autour de la maison. Aïe! Alors ça... J'ai un freeze, non c'est bon, c'est ma souris, je sais pas, quelque chose vient de m'attaquer, je ne sais pas, et effectivement j'ai un petit problème de souris que je vais régler tout de suite, voilà, ça devrait mieux se passer, c'est pas un freeze, c'est ma souris qui fait des siennes. Je pense qu'on a des ours autour de la maison, ouais, juste là, je vais m'en occuper, parce que ça c'est de la nourriture, et j'ai bel et bien un problème de souris. Alors en fait ce que je vais faire, j'ai changé de souris, je reviens dans 2 secondes. Voilà, je suis de retour avec une souris toute belle, toute neuve. J'ai donc fait un petit remplacement technique qui nous rappelle que nous sommes finalement dans un jeu vidéo. Voilà, nous étions partis. Alors j'espère que cette souris ne fera pas trop de bruit quand je vais cliquer, c'est un peu le problème. Tant pis, on fera avec de toute façon dans cet épisode. Merci de votre compréhension. On va s'attaquer à ces tours avant d'aller se reposer. Parce que là, cette nuit, on va se mettre à l'abri dans la maison. Aucune raison de se promener dehors. En sachant, vous l'avez compris, dans l'épisode 3, il va falloir sécuriser cette zone qui finalement est extrêmement... Oh putain! Ah, je suis attaqué! Ah, je l'ai eu! Non, vite, vite! Rentre! Je vais crever comme une merde! Oh putain! Par chance, je respawn juste là! Allez, vite! Ton stuff! Rentre à la maison! Ah! Ah, c'est chaud! Les putains de fantômes! Ils m'empêchent de rentrer chez moi! On va faire le tour! En courant le plus vite possible, avec un peu de chance, ils vont me suivre! Je vous le dis, hein, ça va être vraiment tendu! Et heureusement que je ne suis pas en hardcore! Alors, pour la nuit, c'est foutu! On ne va pas pouvoir dormir parce qu'il y a trop de bruit dehors. C'est infernal. Non, on va pas pouvoir dormir simplement parce qu'on a des monstres autour. Et vous le savez sans doute, quand il y a des mobs à proximité, impossible de se reposer. Donc là, on n'est pas dans la mouise. Cette saison est infernale. C'est très dur de savoir où on va et comment gérer en fait l'ingérable. C'est-à-dire les choses qui peuvent arriver à tout moment, et à des moments où on s'y attend le moins, vous l'avez compris. Et l'autre truc qui est particulièrement difficile, c'est de s'organiser, de savoir comment on va faire pour survivre. J'avais pour objectif aujourd'hui... C'est infernal. J'avais pour objectif aujourd'hui de faire un rempart là tout le long pour éviter de tomber. Alors je pense qu'on a de la cobble, on va faire un rempart en cobble tout simplement. Récupère un maximum d'arbres aussi tout autour de la maison. Et puis pour avoir du bois. Et l'autre objectif c'était de creuser dans l'eau là en dessous, en contrebas, vous le savez, il y a une espèce de lac. J'arrive pas à parler avec tous ces zombies qui hurlent. On va se les faire, c'est pas possible. Ah, c'est pas des zombies, pardon, c'est fantômes. Je vais les attirer par là. Oh la vache. On va les attirer, on va essayer de se les faire. Ah! C'est quand même pas si dur. Alors on en a eu un. Je vais recharger mon fusil. Il y en a d'autres.
Allez, venez, je vous attends. Venez vous battre si vous êtes des fantômes. Hop, le point, je le récupère. Alors, on va faire une petite sortie. Éclair, petit tour de la maison. En espérant qu'ils me suivent. Je reviens par là. Hop, je re-rentre. Allez, viens. Viens te battre. Ah, il va falloir que je sorte. Hein. Allez, viens. J'ai envie de tirer droit devant. Il y a quelque chose dans mon dos aussi. Non. Je l'ai eu. Non, je l'ai pas eu. Ah, je le rate. C'est totalement ingérable au fusil. Totalement ingérable au fusil, ce genre de créature. Quoique, je crois que je l'ai eu, je l'entends plus. C'est bon, on est débarrassé, on va vite se coucher, on va essayer de passer la nuit. Alors, vous m'avez laissé des commentaires particulièrement inquiétants sur ce que Hérogus est capable de faire, notamment quand on se réveille. Bonne nuit à tous. Bon, bah écoutez, la maison est toujours là, elle n'a pas pris feu. Hérogus nous a laissé tranquille cette nuit. On l'en remercie. Le poisson doit être cuit. Voilà, le petit déjeuner. On va le ranger avec le reste du matériel. On a quand même pas mal de matos. Ça, c'est une bonne chose. Je vais récupérer ça. Alors, objectif du jour, je l'ai dit tout à l'heure. Déjà, mettre le nez dehors. Et, alors, on commence par quoi? Peut-être sécuriser un petit peu là. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît être une bonne idée. On va mettre tout simplement de la glowstone tout le long. C'est pour éviter les chutes en cas d'attaque. Je vais faire moche, hein. Je vais mettre carrément deux de haut. Ah non, ça va être trop laid. Faut pas non plus faire n'importe quoi. Ah bah si, allons-y, on va mettre deux de haut. C'est quand même dommage. Bon, je vais y réfléchir. On va y réfléchir. Et pour prendre le temps d'y réfléchir, oh, regardez. Récupérons ces quelques points d'expérience qui traînent juste ici. Pour y réfléchir correctement, nous allons redescendre. Oh putain. Qu'est-ce que c'est que ce Beans? À chaque fois que je descends ici, il y a une explosion. Et cette phrase, you don't know what you did. Oui, je l'avais dit la dernière fois, j'ai planqué la maison. Vous la voyez plus, elle est là-dessous. Voilà, c'est plutôt bien fait. Hein. Vous reconnaîtrez que c'est plutôt bien fait. Je vous avoue que ça a été très compliqué de le faire, même en créative, car j'ai pas été tranquille tout le long. Mais j'ai réussi, j'ai attaqué. Je vous dis pas pourquoi j'ai été attaqué, car ça risque de se reproduire à nouveau pendant cet épisode. Nous allons creuser le fond. Comme ça, en cas de chute, éventuellement, on ne se fera pas mal. Voilà, ce sera beaucoup moins dangereux. Et regardez ce que nous avons là. Oh, je ne l'avais point vu. Du fer. Attendez, on va faire avec ça, ça ira plus vite. Je mine du fer sous l'eau. On va essayer de miner celui-là. On va reprendre un peu d'air. Go. Allez. Ce qui est très étrange, c'est que j'entends, vous l'entendez comme moi, on entend brûler quelque chose quand on est au fond. Ah, j'ai fait crever. Est-ce qu'on a bien tout récupéré? Oui, on a bien tout récupéré. On va continuer de creuser plus profondément. Histoire de... Ah mais merde. Oui, en plus, c'est pas un fond en sable. Vous l'aurez remarqué, c'est un fond en pierre. Ce qu'on fait là, c'est pour notre propre sécurité. C'est-à-dire que si on tombe de là-haut, ce qui va certainement arriver, hein, ou si on est poussé, parce que c'est surtout ça le problème, si on est poussé, on pourra toujours survivre et pas mourir comme une merde écrasée au fond. Ce qui m'est arrivé précédemment. D'ailleurs, si vous n'avez pas assisté à ce massacre, vous pouvez très bien regarder les épisodes précédents. De toute façon, je vous invite à le faire, hein, évidemment. Si vous prenez l'aventure en cours, arrêtez tout de suite et retournez à l'épisode 1. Totalement interdit de regarder les épisodes, pas dans l'ordre. Et déconseillé. Interdit et surtout déconseillé. Vous passeriez à côté de grands moments et de pas mal d'explications. Peut-être même vous demander pourquoi.
n'arrête pas à parler solo, peut-être vous demandez ce que je fous là, bah vous saurez tout si vous regardez même la saison 1 de The Crafting Dead, qui n'a finalement plus grand chose à voir. Là on a une dimension, ok il y a des zombies, mais aussi une dimension totalement surnaturelle à cette série. Vous l'avez vu. Est-ce que ça suffira? Oui, je pense qu'en cas de chute, là, ça devrait aller. Et ce qu'on va faire... Voilà. C'est que ça... Cassé. On va sortir de là. Ce qu'on va faire, alors, en cas de chute... Oui, ça devrait aller. On va principalement... Si on va mettre un petit muret comme ça, on va continuer de l'autre côté. Voilà, on va assurer un petit peu les lieux. On va les couper du bois. Ah, journée cool, hein. Alors, j'ai des grands projets de construction. Notamment au niveau de l'armement. On va... Alors, mais donner un conseil... Son temps brûlé. Un conseil très sympa, et c'est une bonne idée, mettre du cactus tout autour de la maison. Pour... Attention, bruit. Et je ne sais pas ce que c'est. C'est une souris. Tout va bien. Et là-haut, nous avons un renard. Qui s'attaque à un petit lapin, mais enfin! Mon dieu, lapin! Un renard, un lapin! Un renard, un lapin! Ouais. Pauvre petit lapin. On a une grotte, là. Je crois qu'on y avait été, où on avait un projet de visite de grotte. Nous verrons plus tard, si nous avons le temps. Nous le ferons. On va couper les arbres qui sont ici, on va finir de dresser ce mur. Voilà, qui est un mur de protection contre des, je le répète, des chutes potentielles. Ça m'est arrivé, ça n'arrivera plus. Voilà. Là, si je tombe, normalement, je tombe dans... C'est haut quand même. Faut pas avoir peur. On tombe bien dans le bassin. Et a priori, pas de trop. Alors, on va commencer à couper cette arme. Récupérer du bon, on va agrandir notre maison, on va s'installer un peu mieux, on va organiser notre confort. Voilà. Je coupe un petit peu plus. Toi, je te récupère, évidemment. Voilà. Et il faut aussi qu'on organise un escalier pour pouvoir descendre correctement. Ah, des travaux, des travaux, des travaux. En gros, voilà, plein de travaux. Hop, hop, hop. Non, celui-là est en trop, peu importe. On va le laisser. Voilà, si je saute d'ici, je tombe bien. On le teste? Bon, on va le tester. Oula. Qu'est-ce que c'est que ce beans? Bruit bizarre, bruit chelou. Hallucination auditive peut-être, je ne sais pas. En tout cas, je vais sauter. Attention, 3, 2, 1, go. Hop. Ouh, c'était juste. Oh, c'est trop juste. Vous l'avez vu, c'est trop juste. C'est beaucoup trop juste. Je me suis fait super mal. Oh la vache. On a bien fait de faire un test. On va manger un truc. Sinon, ma vie va jamais remonter. Et si je me fais attaquer, je suis dans la mouise. Voilà. On va creuser un peu plus. Faut dire aussi que j'ai sauté très haut et j'ai pris de l'élan. Donc peut-être que cela explique ceci. On va couper là. On va casser. Oh merde. J'en ai une autre. Couper. Casser ici, pardon. Je vais couper du rocher. Pour le moment, on est tranquille, aucun souci. Pas de zombies, pas d'apparition des rugus. Ça, on va le récupérer, le flint, ça peut servir. Voilà. Oui, putain, il faut que je fasse gaffe à ça. Oh la vache. Bon, là, on va remonter en vitesse, hein. Je suis pas du tout courageux, pour le coup. Vite, 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 vite. On n'avance pas dans l'eau. Allez, allez, allez. Hop. On remonte à la maison. Donc voilà, pour le saut périlleux dans l'eau, ça fonctionnera normalement. On va pas le retester tout de suite, hein. Maintenant on part du principe que c'est bon. On va effectivement se faire un accès pour remonter. De toute façon, j'ai tendance à être attiré par cette zone-là, mais je pense qu'il y a pas mal de choses aussi à regarder derrière. Un chat blanc, qu'il est beau. Oui, mais mon ami le chat, c'est pour plus tard. Je vais pas m'embêter maintenant à protéger et adopter un chaton. Un petit joli petit chaton, on verra ça plus tard. On va couper le bois. Alors je vais pas rappeler les objectifs là parce que je les ai plus totalement en tête. On a pas mal de trucs à faire. Je vous invite, si vous voulez vous les remettre en tête vous aussi, à re-écouter ou à écouter si vous n'avez pas encore fait l'épisode 2. 3. L'épisode 3. Ah mince, je m'attaque à un arbre. Ah bah là, zut, j'avais pas fait attention. L'épisode 3 de cette saison 2 de The Crafting Dead. Bon, là je vais être obligé de... Je ne peux pas, hein, je ne peux pas humainement laisser un arbre dans cet état-là. C'est pas possible. C'est mon âme de bûcheron qui parle. On va le couper, bien comme il faut. Sauf que là, si je suis poussé, je suis mal. Hein. Mais ça n'arrivera pas.
Oui, alors saison 2 qui n'est pas en mode hardcore, contrairement à la première, car là, c'est vraiment pas une balade de santé. Vous l'avez vu, hein, tout est possible, tout peut arriver. Le hardcore, je pense que ce serait une erreur. Et on va déjà souffrir assez comme ça, pour le moment. Donc autant ne pas prendre trop de risques. Et je vais avoir beaucoup de mal à couper cet arbre, en fait. Merde, on a un canard, là, qui nous regarde. Ouais, je vais pas pouvoir. Et un autre chat, c'est blindé de chats et de bêtes, c'est fou. On va essayer de couper cet arbre. Je sais, il y a peut-être des choses plus intéressantes et plus intelligentes à faire. Et je vous avoue que je vis le truc tel qu'il vient. De toute façon, on aura besoin de bois, finalement, ce sera fait, on aura le bois. Même si le bois est pas forcément l'élément, l'ingrédient, non, la ressource la plus fiable en fait, surtout quand on a, vous l'avez vu, des tanks tout autour. Je rappelle que les tanks, ce sont ces créatures qui peuvent tout péter sur leur passage si elles le souhaitent. Là, j'ai fait une grosse boulette, c'est-à-dire que je suis... Voilà. Je l'avais dit. J'ai grimpé tout simplement là où il ne fallait pas, sur des feuilles, alors que je suis en train de couper cet arbre. C'est une bêtise. Ça fait partie aussi de ma personnalité, hein, vous l'avez compris. La bêtise, je l'assume. Alors franchement, j'ai fait un trou dans l'eau, j'aurais coupé deux arbres et la nuit tombe déjà. C'est quand même hallucinant. Et je pense qu'on va pas attendre pour aller se coucher. Bon bah écoutez, cet arbre me prend la tête. J'ai pas envie de le laisser flotter comme ça, ça gâche un peu la vue. Mais je crois que je vais être obligé. Juste là. Allez, on va essayer de le faire. Je cherche réellement à me tuer en fait. Hein. Pas possible. Je commence à plus rien voir. Et je fais n'importe quoi. Ce sont des risques vraiment inutiles que je prends. Il faut que j'arrête les bêtises là. Hein. Allez, on se casse. On finira ça demain. Oh, gibier. Alors celui-là, on va se le faire au fusil. À l'ancienne. Boum ! Headshot. Boum, headshot. Headshot dans la tête du cerf. Très bien. Surveillons les environnements avant d'aller se coucher. Bah écoutez, c'est très calme, hein. On a vu zéro zombie. Très peu d'ennemis. On a été attaqué par quelques fantômes tout à l'heure, mais en fait, tout va bien. Allons nous coucher. Si on peut éviter les ennemis de nuit pour le moment... Évitons-les, dodo. À tout à l'heure. Oh putain, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce beans? Qu'est-ce que c'est que ce beans? Je suis en train de faire un cauchemar ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je veux me réveiller. Je veux me réveiller. Allô? Qu'est-ce que c'est que cette hallucination? Je vois rien du tout. On va peut-être mettre une torche. Qu'est-ce que... Je sais plus là si je suis dans le jeu, dans le rêve... Mais où est-ce que je suis? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Là, je vois que là, il y a de la... l'obsidienne, si je dis pas de bêtises. Bon, on va casser le mur qui est devant nous. Mais où est-ce que je suis? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Aïe! La vache! La vache! Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que je viens de vivre, de ce que vous venez de vivre avec moi. Tout ça, je vous promets, je le découvre. Et j'hallucine totalement sur ce genre de truc. Une hallucination, un cauchemar total et je me réveille chez moi, tout va bien. C'est un truc de fou. Bon, on va se remettre de nos émotions une nouvelle fois et c'est que le début. Hein. Je pense que là, on n'est pas au bout de nos surprises dans cette aventure. J'entends marcher. Cochon! Cochon, 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 cochon. Cochon, à l'épée, gaspillons pas nos balles. Salut les amis! Et là, nous avons un chat. Notre ami le chat blanc, toujours. De la poudre. La nuit a dû être agitée, hein, je pense. Notre nuit a été agitée, de toute façon, ça vous l'avez remarqué. Ça, on va finir ça à la main. Ah zut, est-ce que j'ai une autre... Non. Je me fais toujours mal en tombant en fait, hein. C'est super dangereux. Et si je devrais peut-être aller m'installer ailleurs, un endroit un petit peu moins dangereux. Ouais, il va falloir vraiment que je bouche les trous.
Est-ce que j'ai... Bah, j'ai sur moi de quoi me faire une pioche. Une hache. Et je vais faire cuire aussi ce fer. Voilà. Alors, il me faut du matériel. Est-ce que j'ai du fer ici? Je n'ai plus de fer. Hein. On va faire une pioche en pierre. Une hache en pierre. Voilà. Tac. Oh zut, j'ai pas les... Ah si, c'est bien. Je les avais pas vus pour le coup. Voilà. Est-ce que j'ai besoin d'autre chose tant qu'on y est? Non, pour le moment, ça suffira. Allez, allons finir de couper nos arbres. C'est une belle journée. Profitons-en. De la terre. Alors vous comprenez que c'est très difficile de réellement s'organiser dans une survie. Tous les codes de Minecraft sont bouleversés. Rien ne se passe comme ça devrait se passer. Tout peut arriver. Tout est dangereux. Le même dormir devient dangereux. Donc ça devient... c'est vraiment pour les nerfs, c'est très très dur. Je sais pas où je vais avec cette histoire. Mais on verra bien. On improvise. Hein. Pas le choix. Alors là, on était parti pour pas tomber déjà. Si c'est possible. Alors, s'il te plaît, Rogus, tu ne me pousses pas. Pas maintenant, en tout cas. Ça serait gentil. Est-ce que j'atteins les... Oui, j'atteins les petits bouts d'arbres qui sont là. Pas lui. On va s'approcher. S'avancer un tout petit peu. Disque... Non, c'est pas suffisant. Dommage. Alors, là, est-ce que c'est suffisant? Oui, ça devrait... Non. Si, c'est bon. Voilà, on en a fini avec cet arbre, il me semble. On va élaguer un petit peu pour bien... Non, regarde, il y a encore du bois ici. Avec nouveau bois, je crois qu'on a ce qu'il nous faut. Pour le coup, on est bon. Ouais, ça devrait aller. Hop, aïe. Ça tombera tôt ou tard. On va aider la chute du bois. Allez, voilà. On est bon. Donc ça, c'est fait. Les objectifs du jour sont déjà accomplis, c'est-à-dire faire un tas de merde. Non, je déconne. Est-ce que j'ai une pioche? Une pelle, oui. Objectif du jour, c'était donc creuser le bassin pour avoir un petit peu plus de profondeur en cas de chute, sécuriser un petit peu la corniche, j'ai fait. Couper du bois pour fabriquer des rambardes et en mettre un petit peu tout autour, améliorer notre confort, je sais pas exactement ce qu'on va faire. Oh, je vois qu'il y a une pomme qui est en train de tomber. J'espère que j'ai bien... Ah, j'ai oublié un truc de bois. J'ai oublié un truc de bois. C'est pas possible. Non, bah, je suis tout à fait désolé, les amis. Je ne peux pas le laisser. Il faut que j'y aille. C'est plus fort que moi. Je ne peux pas laisser ça flotter comme ça. C'est pas possible. Un petit peu de musique douce, tranquille, comme ça. C'est très bien. Merci, Minecraft. Vous me posiez des questions sur la musique. Certains d'entre vous, la musique est effectivement inclue. Les musiques que vous entendez régulièrement qui vont flipper sont inclus dans Minecraft et se déclenchent de manière automatique, aléatoire, en fonction des codes du jeu, hein, de la façon dont c'est codé. Ah, mais il y avait encore du bois ici, dont c'est codé au départ. Donc la musique, je ne la déclenche pas moi-même. Hein, c'est aléatoirement. J'ai juste rajouté des morceaux à mon point Minecraft. Voilà, vous savez ça, vous aviez posé la question, je viens de donner la réponse. Voilà, c'est fait. On va laisser l'arbre se décomposer tout seul. On va bien récupérer la pomme, quand même. La pomme! Pomme! Merde, la pomme! Je veux cette putain de pomme! Ah, elle est sur le point de tomber. Oh, dommage. Allez, on va la chercher. Voilà. C'est de la nourriture, quand même. Nous l'avons, très bien. Allez. Pour le coup, ça c'est terminé, j'arrive plus à sauter, tout va bien. Je rappelle que j'ai changé de souris en tout début d'émission, ce qui explique pourquoi j'ai un petit peu de mal. On va boucher ici, j'ai tendance à tomber souvent. Voilà, ce sera fait. Passage un petit peu... un peu chiant, hein, pour vous comme pour moi, mais on est bien obligé aussi d'en passer par là. C'est Minecraft, hein, et la survie, la sécurité... dépend de ce genre de petits aménagements, donc on aurait tort de s'en priver. Donc on les fait, aménageons. Aménageons notre territoire. Voilà, il va falloir aussi... je sais pas comment, en tout cas, sécuriser le périmètre. Pour éviter peut-être des assauts... En même temps, on a été tranquille jusqu'à là. Hein. Ah, j'ai plus de... Bah écoutez, allons-y à la cobble. Voilà, d'ailleurs, je devrais faire peut-être tout le sol en cobble. Ce serait pas bête. Récupérer ce bois. Cette terre, et je pense que je vais couper tous les arbres alentours. Ça va gâcher un peu le paysage, mais ça va permettre
d'être dans une zone un peu plus clairsemée, d'y voir plus clair pour la suite. Regardez ce que nous avons là-bas. Je crois qu'Hérogus a encore fait des siennes. Je pense qu'on va aller jeter un œil juste après. Ça sera la petite promenade, là, parce que finalement, on s'emmerde un peu depuis tout à l'heure. Ça ne fera pas de mal d'aller se balader. Oui. Oh, que d'animaux encore. Beaucoup de chats et beaucoup de renards, vous l'aurez vu, hein, remarqué. C'est assez amusant que ces animaux-là... Je me méfie en même temps, parce qu'on voit un renard, on voit un chat, et d'un coup, on voit un zombie. Hein. Tout peut arriver. Bon, on va pas s'embêter à nouveau avec un arbre. On va laisser celui-là, finalement, parce que là, ça me... Le bûcheronnage, ça va 5 minutes. On va couper celui-ci. Et puis, on va aller voir cette petite cabane là-bas, après avoir tué ces animaux qui piaillent. Bonjour, renard. Je me demande si on peut tuer un chat en un coup avec un fusil. On va laisser se battre, déjà. Regardez ça, un affrontement entre un chat et un renard, c'est magnifique. Qui va l'emporter? Le chat, le chat, je ne sais pas qui va gagner. Oh, c'est le renard! Eh ben, dis donc. Tiens, pour la peine. T'as bien fait de te battre. Ah, je suis désolé. J'adore ça. Ah, j'adore ça. J'aime pas tuer les animaux. Mais pour de faux, dans un jeu vidéo comme Minecraft avec un fusil, un petit côté jouissif, j'avoue. Ah, est-ce que je peux sauter? Non. Tout intérêt à ne pas sauter. Je voudrais aller où? Là-bas. Du zombie. Et j'entends marcher pas loin. C'est encore un chat? Merde! Attends, on va sauter là. Avec un peu de chance. Non, c'est mort! Ah! Et je me fais piquer par les méduses. Ah merde, mais quel con! Genre de truc que j'aurais pu éviter. Je vais mourir? Non, c'est bon. Bon, bah écoutez, on va nager jusqu'à l'étrange maison qui est là-bas. Non, c'était pas celle-là. C'est pas ça qu'on a vu tout à l'heure. On va recharger le fusil aussi, tant qu'on y est. C'est ça, voilà. On va aller voir ce que c'est. Zombie! Boum! Deuxième zombie! Boum! Un zombie qui drop de la viande. Ah non, ils ont peut-être dû s'attaquer un cerf juste avant, en fait. À mon avis, c'est ça qui s'est passé. Vu qu'on en a un ici, il doit y avoir un couple, une femelle et un mâle. Il ne m'a pas vu, on va en profiter. Est-ce que je peux tirer tout en zoomant? Oui, regardez. Ça, on profitera mieux de sa mort. On va viser dans l'œil. Il a bougé! Enfoiré. Bouge pas. Yes! Donc j'ai un fusil à lunettes. On le saura. Je recharge. Sans plus attendre, on récupère les points, je le rappelle. Objectif, arriver au niveau 25. J'étais au niveau 7 précédemment, mais je suis mort. Donc je repars à zéro à chaque fois que je meurs. Il va falloir qu'à un moment, j'arrête de mourir. Allons voir cette installation. À mon avis, c'est du made in Hérogus. J'en suis convaincu. La journée, on en est où là? Vérifions quand même. Le soleil est en train de se coucher. Bon, on a peut-être juste le temps quand même de visiter l'endroit. On a une porte ici, un bouton. Bah écoutez, j'ai envie de voir ce que ça fait quand on appuie. Allez. Ça fait rien. Ah oui, non. Ah oui, voilà, c'est le piège avec de la lave. Je me souviens maintenant, il n'y a rien là-dedans. Eh bien écoutez, on va laisser ça en place. Et on reviendra si on a besoin des matériaux qui sont là, mais a priori on n'en a pas besoin. Quoique. Allez. Hop là. On va récupérer tout ça. Ça fait toujours du bois. Alors, vous vous dites peut-être, mais il a l'objectif de tuer des tanks, des chargeurs, un quota de zombies. Oui, je n'ai pas oublié. Mais dans l'immédiat, vous comprendrez que je vais essayer d'abord de récupérer un max de ressources et d'assurer mon confort de manière générale. Ça me paraît évident que c'est pris. Enfin, ça me paraît évident que c'est une priorité. Merde! Oh merde! Merde! Quel con! Oh putain, mais ça c'est la boulette! Oh, j'hallucine! Oh comment j'ai déconné, mais là tout est mort, tout est tombé dans le feu, tout mon stuff! J'ai tout perdu! Oh mon dieu! Ah les boules, mais j'ai les boules, vous pouvez pas imaginer à quel point. Oh. Ben voilà, on a coupé du bois pour rien pendant des heures. C'est-à-dire qu'en gros, tout le début de cet épisode est inutile. Je viens de le foutre en l'air en faisant le fail du siècle. Oh la vache, bon là je rentre. Oh putain oh. J'en ai marre. C'est pas possible. Oh, c'est trop dur. Hérogus a eu raison de moi deux fois en à peine 10 secondes. Je sais pas si vous avez remarqué.
Finalement, je suis mort un petit peu à cause de sa maison. Et il vient de m'envoyer valser loin. Donc forcément, je vais crever, mais sans arrêt. C'est un truc de fou. Je crois que j'ai fait un truc de fou. Qu'est-ce qu'il nous reste? On a un petit peu de poudre. Écoutez, on va essayer de se réorganiser. Allez, on reste concentré, tout va bien. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Ça va aller, ça va aller. Gus, tu te remets. Tout va bien. Oh mon dieu. On a encore un peu de soupe. Et toute la bouffe, tout ça, j'ai du poisson. Non, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Tout va bien. Oh punaise, je suis dans un état pour le coup, là. Je suis totalement perturbé. Ça, j'en ai besoin. Ah, mais j'ai plus de fer, j'ai plus rien. Si, du fer, j'en avais trouvé. Voilà, ça c'est bien. Je vais me refaire un fusil, des armes, enfin voilà, tout l'équipement qui va bien. Hop, on va prendre un petit peu de bois. Ah, le fail de tomber dans la lave, mais quel... Vous pouvez pas savoir à quel point je m'en veux. Non, non, ça c'est une bêtise. On va tout faire en pierre pour le moment. Pas d'excès de zèle, hein. On va rester sur un équipement sommaire. Oh, je vais pas m'en remettre. Je ne vais pas m'en remettre de cette histoire. Voilà. Qu'est-ce qui me manque? L'épée. Ah, l'épée quand même, là, il faut assurer. Pour le coup, il va falloir essayer de pas crever. Ça, j'en ai besoin. Et le reste, j'aimerais bien me refaire un flingue. Donc on va se refaire ça. Voilà. Ça, je le garde. Il ne reste plus beaucoup de fer, pour le coup. J'ai perdu toutes mes balles. Oh là 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 là. Ça me fout en l'air. Ça me fout en l'air, vous pouvez pas imaginer. Voilà, il me faut ça, ça, non, c'est le contraire. Oh, j'ai envie d'arrêter. Vous pouvez pas imaginer, j'ai l'impression que c'est un truc de fou. Cette aventure va être complètement dingue. Est-ce que je peux faire quand même quelques... Est-ce que j'ai du papier? Un petit peu. Je vais essayer de me faire quand même quelques balles, un minimum. Alors, le papier en dessous, ça là, et le fer. Voilà. Je peux pas en faire plus, et non. Ça me fait toujours 16 balles, c'est pas rien. Et ce qu'on va se faire aussi, c'est récupérer le... Oh, j'ai perdu du cuir aussi dans cette histoire. Avec ce cuir-là, on va se faire un petit peu d'équipement de protection. Bah, ne serait-ce qu'un petit chapeau en cuir, hein. Ça sera déjà ça. Allez, on va mettre de côté tout ce qui ne sert pas. Et qu'il serait dommage de perdre inutilement. Voilà. De toute façon, à mon avis, je vais crever encore plein de fois, c'est évident. Magnifique petit chapeau en cuir. Bon, je préférais l'autre. Est-ce qu'on peut dormir, là, passer la nuit, se reposer, ce serait bien. Allez, dormons. Allez, à tout à l'heure. Oh non, c'est pas vrai, ça recommence. J'en peux plus. J'en peux plus, c'est un cauchemar. Ah ! Qu'est-ce que c'est ? Laissez-moi tranquille. Je suis pas chez moi, en fait, là. Je suis où ? Il y a un esprit. Oh putain, c'est Amnésia là, c'est vraiment ambiance Amnésia, je vous promets, ça me... Je suis dans un état, qu'est-ce que c'est que cet endroit? Oh, ça ne me dit rien qui vaille, cette dalle au sol. Oh putain. Et me revoilà chez moi, le jour s'est levé. Alors si toutes les nuits sont comme ça, ça va donner. C'est totalement fou. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les nuits sont... Waouh. On récupère pas très très bien. Je vais même pas retourner là où j'ai perdu mon matos hier. Je pense que ça sert à rien. Il y avait une vache là hier. Elle est toujours là. On va aller la saluer. Quelque chose qui brûle en dessous. On va descendre. Ce qui brûle, c'est de la... C'est un fantôme. Peu importe, si je perds un peu de vie. Là aussi, dommage. Non, ça c'est pas un... Ouais, c'est un fantôme, il a rien droppé. Je pensais qu'il allait lâcher un peu de poudre. Mais non. On va aller voir cette vache. Ah, apparemment, enfin, zombie est mort juste ici. Celui-là est très rapide, il m'a vu. Qu'est-ce qu'il fait? Ça va? Tu te baignes? J'avais envie de prendre un bain, c'est précipité. On va récupérer ça. Ah, quelque chose a explosé ici, apparemment. Il faut remonter maintenant. Voilà, j'ai presque fini. Allez, la vache. Je suis venu là pour une vache avant tout. Mais là, à nouveau, il faut que je retrouve de la nourriture. J'ai l'impression de faire machine arrière. C'est le problème avec cette aventure. Je vous promets que j'angoisse avant de commencer à enregistrer parce que je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Et je ne sais pas comment... si ça sert à quelque chose... Enfin, si le... Oh là là, mais elle était grosse et... Et garnie, celle-là.
Elle avait un steak et de la peau. Je sais pas si vous avez entendu ce bruit très surprenant. Peut-être de la musique, je ne sais pas. Oui, je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas si... comment m'organiser réellement pour survivre. J'ai l'impression que quoi que je tente, ça va être la catastrophe. Là, on a un tank dans sa... Non, un chargeur dans sa physionomie humaine. On va s'en occuper. Ça évitera d'être emmerdé plus tard. Zombie là-bas. On va se promener très tranquillement. Je sais que ça fait plusieurs épisodes où je me promène, où j'ai l'impression de tourner en rond, mais il y a vraiment, vraiment trop de choses surprenantes qui se produisent. Et je crois qu'on n'a rien vu, puisque oui, on n'a encore pas tout vu, en tout cas. Regardez ce piège à con. On a juste là une dalle au sol. Je suis convaincu que si je marchais dessus... D'ailleurs, la TNT en dessous, exact. Ça, ce sont les pièges des Rogus. Pour le coup, je me ferai pas avoir. Il va falloir que je sois vraiment très très prudent. J'ai vraiment manqué totalement de prudence tout à l'heure en crevant comme ça dans cette lave. C'est absurde, mais totalement absurde de mourir comme ça. Ça me désole. Waouh. Il y a eu de la casse ici. On voit que les nuits sont agitées quand même. On va chasser ces bestioles. Ouais, il faut que je récupère à nouveau de la bouffe, que je refasse mon stock. Le bois, tout le bois que j'avais récolté, je ne l'ai plus. Allez. Non, ce qui est flippant, c'est de se dire c'est que même chez soi, on n'est pas à l'abri. Et que tout peut arriver. Ouh, c'est une partie de chasse un peu glauque, je trouve. Allez, crève. Il va pas crever, il est costaud celui-là. Allez, viens là. Ah putain, je vais pas y arriver. Voilà. C'est vrai que même les nuits sont pas reposantes. Ce jeu est complètement surprenant et hallucinant. Cette aventure est... Ah, on a un ours, ça c'est très bien. Bon, on aura trouvé de la nourriture. Ça c'est une très bonne chose. Ah la vache. Je veux pas utiliser mon fusil. Ça m'ennuierait de gaspiller des balles sur des bestioles. Même si c'est très tentant. Allez, monsieur l'ours. Poisson. Putain. Mon épée. Ah merde. Ouh, j'étais. Il a voulu. Je sais pas si vous avez remarqué, j'ai sauté. Enfin, vous l'avez peut-être pas senti, vous. J'ai sauté. Alors que. Enfin, je me suis pas moi. J'ai pas moi-même sauté. J'ai sauté de plusieurs cubes de hauteur. Et en fait, l'arbre qui est au-dessus de ma tête m'a retenu. Pour le coup, je suis convaincu qu'Hérogus a voulu me faire partir très très haut dans les hauteurs. Non, mais ça devient fou là. Il est beaucoup trop présent ce Hérogus. Je crois que ça va être mon pire ennemi. Je vais me battre contre moi-même tout le long de cette aventure. Deux poissons. Allez, la nourriture, ça suffit. Allez, on va couper quelques arbres à nouveau. Je suis désolé. On va s'attaquer à des arbres pas trop gros. Qu'est-ce qui se passe encore? Là, on a une petite maison. On va aller voir quand même. Je viens de voir des torches de redstone. Oh putain, j'en peux plus, là. Là, j'en peux plus. Je crois qu'il va falloir arrêter l'épisode. Là, je vous promets, je commence à vraiment avoir peur. Ah oui, c'est la tombe des Robrines. Ouais, j'ai envie de la péter, ça se trouve. Peut-être qu'il arrêtera de nous embêter. Au contraire, ça va peut-être pas apprécier. On verra bien. Je regarde s'il n'y a rien dessous. Non, pas de corps. Ça aurait été horrible, imaginez. Ah, je suis là, tu m'as trouvé, tu vas mourir. J'avais dit aussi qu'il fallait que je récupère des graines un petit peu. Parce que je crois qu'il faudrait que je réussisse. Non, mais voilà, je me dis, planter, faire un champ, mais à quoi ça sert? Pour peu qu'un tank arrive, il va tout détruire. Pour peu qu'il Robrine mette le feu. Voilà, tout me semble vain, quoi. Tout me semble vain dans cette aventure, c'est ça le problème. Je commence à me rendre compte de la difficulté de la tâche. Et c'est vraiment tendu. Bon. On va très tranquillement revenir à la maison. La nuit va déjà bientôt tomber. Non, ça va. On est en début d'après-midi. On a juste là un... Non, c'est rien ici. Non, a priori non. Je pensais qu'il y avait une petite grotte. J'aurais bien aimé fouiller une grotte, là.
Essayer de trouver du fer à nouveau. On avait commencé à creuser quelque chose. Je sais pas ce que je fais. Est-ce que je me rends dans la maison pour continuer de creuser? Alors je sais qu'au niveau protection, c'est un peu niveau zéro pour le moment, ma maison, mais voilà. Qu'est-ce que je peux faire? Ah, écoutez, on va creuser. Oh, la vache, c'était pas là, ça. Bon, on va pas y toucher. Apparemment, quelque chose a explosé juste là. Quand je dis quelque chose, ou alors un tank est venu se promener pendant la nuit. Il s'en est passé des trucs pendant que je dormais. Enfin, façon de parler. On a une plaque là-bas à nouveau. Ah, peut-être que je pourrais faire des pièges à TNT tout autour de ma maison. Je serais capable d'y rester moi-même, de m'auto-piéger en fait, en faisant ça. Qu'est-ce que c'est que ça? De la neige. De la neige. Comment ça se fait qu'il y a un peu de neige ici? Il y a vraiment des trucs trop bizarres qui se passent. Il faut que je mange. Ah, écoute, on va manger cette viande de zombie. Voilà. Et on va aller se balader là-dedans. Quoi qu'il me semble que je l'avais déjà fait, on va y retourner. J'ai encore empoisonné, ouais, j'ai pas bien récupéré en fait avec cette viande-là. Oui. On va manger un peu de poisson. Voilà. On va aller se balader en bas. Oula. Oh, apparemment c'est pas très profond. Ah oui, mais j'ai perdu mes torches. J'ai plus de torches. C'est pas vrai, j'y crois pas. Oh oh oh. Non, j'ai cru qu'il y avait du fer. J'ai plus de torches. Est-ce qu'on n'avait pas laissé du charbon par ici? Non, rien du tout. Non, merde. Bon, eh bien écoutez, c'est ouais, la mort dans ce jeu est très perturbante. Elle fout tout en l'air, quoi. Là, ça m'oblige à refaire des torches, à récupérer du charbon, du bois, du machin. C'est un chat qu'on entend, et c'est un chat IRL pour le coup. Mais pas, c'est pas grave, vu qu'il y en a aussi dans le jeu, faites comme si c'était un chat dans le jeu. Oui, le chat. Ah ben le voilà, regardez, on l'entend, c'est Bart. Bonjour Bart. Alors attendez, charbon, est-ce que j'en ai suffisamment? Ben, on va prendre un peu, on va faire quelques torches. Va-t'en le chat. Voilà, il est parti. On va faire quelques torches, il me faut des baguettes. J'ai l'impression de ramer, hein. Je sais pas du tout comment vous allez vivre tout ça. Mais de mon côté, je vous promets que j'ai l'impression de mouliner dans la smoule. Alors, attendez. Tant qu'on est ici, oh, je sais pas du tout comment m'organiser, mais vous comprendrez que c'est très complexe. Bandage, ça c'est fait. Canne à pêche, prochaine fois. Canne à pêche. On fera des cannes à pêche une prochaine fois, j'ai du poisson. J'ai ce qu'il faut au niveau nourriture, je trouve, a priori. Pour le moment, ça va. J'aimerais bien trouver un petit peu plus de... Ouais, allez, on va chercher un petit peu de... Ah, j'hésite entre creuser sous ma maison, retourner. Ah ouais, on va retourner là-bas. On va plutôt aller ici. Faut que je retrouve l'endroit. Il me semble que c'était par là. Voilà. On va creuser là un peu plus profondément. Allez, c'est parti. Donc là, c'est bouché. Non, c'est pas ici que je voulais aller. Ah, je patauge totalement. Ça m'a tellement perturbé de mourir. J'étais tellement... Bah, j'avais le sentiment d'être bien parti. J'avais récolté ce que je voulais pour cet épisode. Et finalement... Ah oui, là, c'est bouché, a priori. Oh, punaise, je m'attendais à une grotte profonde. Je me souvenais plus que... Bon, bah écoutez. On va remonter. On va aller creuser sous notre maison, finalement. On va continuer à... C'est là qu'on est peut-être le plus en sécurité, finalement. En plus, la nuit tombe. Écoutez, on va faire ça avant de se quitter. Je suis en train de me dire si, enfin, je suis en train de me demander si je devrais pas me casser de cet endroit qui a l'air totalement hanté. La nuit tombe calmement avec une petite musique douce. Bah, c'est pas plus mal. Allez, on va descendre. Moi, je dors pas cette nuit. Hein. J'ai fait trop de cauchemars. On va passer la nuit à miner. Tant pis. Beaucoup trop de cauchemars. Beaucoup trop de pression. Beaucoup trop de danger. C'est totalement insupportable. Je ne peux pas continuer dans ces conditions. Je ne dors plus. C'est fini. Voilà, c'est décidé. La nuit pour moi, c'est fini. Allez, on va enlever. On va enlever tout ça, tout ce gravier. Alors, est-ce que ça nous cache? Peut-être rien. Et au pire, je vais continuer de creuser. Hein. Souvenez-vous, je crois que c'est ici qu'on a rencontré Hérogus pour la première fois. Je croise les doigts pour que ça ne se reproduise pas.
Mais bon, forcément, ça va arriver de nouveau. Ça fait un moment qu'il nous a pas embêté, tant mieux. Allez, on va essayer de pas en parler, il paraît que ça le fait venir. Il m'est arrivé de découvrir des choses très intéressantes, parfois, en creusant dans le gravier. Mais ça n'arrive plus. Des pans de murs de fer, des choses comme ça. Ah, chouette. Bon, on n'aura pas enlevé ce gravier pour rien. On a un tout petit peu de charbon. C'est mieux que rien. C'est mieux que rien. On va le récupérer tout de suite. Alors pourquoi je m'attaque au gravier aussi, c'est parce que finalement c'est assez friable. Donc ça se creuse facilement et rapidement. Et ça permet de dégager un peu l'endroit. Torche. Voilà. Donc là on a une zone à peu près claire. On va récupérer ce charbon. Et je vous promets que ça fait du bien cette musique. Parfois les musiques de Minecraft, ouais, dans ce genre d'aventure, elles sont les bienvenues. Mais clairement, fatalement, là, ce que je vis de... Non, purée, saloperie. Oh la vache, j'étais en train de dire quoi? Que c'était cool, et que c'était zen, et que ça faisait du bien. Alors apparemment, on peut lire à l'envers. Why do you... Ah, j'ai pas eu le temps de lire la fin. Bah, vous le ferez. On peut lire ce que dit Herobrine, en fait. Herogus est écrit à l'envers. Et donc, ça a un sens. Je sais pas où creuser, finalement. Bah, par là. Allez. J'adorerais tomber sur une faille ou une grotte. Mais c'est pas le cas pour le moment, je creuse toujours droit devant moi sans vraiment tomber sur la mine d'or, quoi. Enfin, le truc que je... Vous savez, la petite grotte bien sympa avec plein de choses dedans qu'on est trop content d'avoir trouvé. Et bah là, c'est toujours pas arrivé. Et on va s'enfoncer profondément, on verra bien. Il va finir par arriver, toutes les routes, tous les trous mènent à un grand trou. Non ? C'est pas vrai, ça? Alors, rassurez-vous, hein, la chasse aux zombies arrivera tôt ou tard, ça fait partie des objectifs. Mais là, pour le moment, c'est totalement pas possible. Enfin, à mon sens, c'est pas possible. Faut que je mange. Faut que je mange, manger un poisson. Voilà. Et on va continuer de creuser un petit peu. Sauf que je sais pas dans quel sens aller. J'espère ne pas creuser n'importe où. On va creuser tout droit devant. Ah, y a rien, y a pas de trou, Ah, attendez. Non. Charbon. Y a quelque chose là derrière. J'ai pas halluciné là. Vous l'avez vu comme moi. J'ai cru voir un bras ou quelque chose à travers le mur. J'en ai ras le bol là. Je promets, j'en peux plus. Certains d'entre vous se disaient, je pensais pas que Minecraft pouvait être flippant. Si, Minecraft peut être flippant. Du moment qu'on rajoute des modes et qu'on modifie les modes même, ce que j'ai fait dans ces aventures-là, on peut se faire peur. Et j'avoue que c'est ce que je recherche. Je m'en plains, mais en même temps, c'est vraiment ce que je recherche. Minecraft est quelque part un survival horror, enfin, est un survival, un jeu de survie. Et la dimension horreur peut vraiment être obtenue, vous le voyez, en rajoutant quelques modes. Et je vous invite à le faire, hein. Si vous voulez vraiment vivre une expérience de jeu un peu ultime, c'est très très intéressant. Bon, bah écoutez, on aura trouvé du charbon, point final. J'ai pas l'intention de creuser plus loin, parce que je me dis que ça va être une perte de temps. Je vais récupérer les torches en passant. Presque envie de reboucher derrière moi, mais je le ferai pas. Ouais, on va laisser comme ça. Quoique ça peut faire spawner des mobs qui pourraient remonter ensuite. Bon, écoutez, ils auront qu'à remonter, c'est pas grave. Point où on en est, de toute façon. Voilà. La vache. Regardez, je l'ai pas rêvé, là. Hein. On a Herobrine, enfin Herogus, qui apparaît dans les murs, maintenant. Et là, j'entends de l'eau. Hein. Il doit y avoir quelque chose par ici, forcément. J'ai presque envie de creuser, je sais pas, par là. Ah, je piffe. Bon, tant pis. J'ai pété mon unique pioche. Faut que je remonte. C'est super chaud. C'est vraiment mon problème avec cette saison 2. Enfin, c'est pas mon problème, c'est le problème. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le problème qu'on a avec cette saison 2. Alors là, je suis inquiet. Je ne reconnais pas le bruit.
Je ne reconnais pas du tout ce bruit, putain, qu'est-ce que c'est? Et je ne le vois pas. Là, un tank, mon dieu! Ah là, je peux pas le laisser là, il va tout péter. La vache, la vache, la vache, la vache. Manger. S'il me voit, on est mal. Si on me voit, on est très mal. On va ranger nos affaires. Histoire de pas tout perdre en cas de mort. Oh, je suis flippé là. Ah mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. S'il me voit, à mon avis, il va me choper, c'est obligatoire. Faut que je stocke tout ça. Et même, s'il attaque, là, tout sera perdu. Ah la vache, la vache, la vache, la vache. Bon, on va se le faire. Allez, on va se le tenter. Allez, c'est parti. Est-ce que j'ai bien chargé mon arme? Je crois. C'est parti. Oh putain. Aïe. Oh vache. Yes, on l'a eu. Oh, il a lâché un bloc d'obsidienne, il me semble. Oh, ma maison. Oh putain, c'est pas vrai, mais j'hallucine. J'hallucine. Vite. Bon, c'est le moment d'utiliser de la cobble. Oh la connerie, il a tout pété, cet enfoiré. Vite. Remettre des murs. Oh, c'est pas possible. Alors là, voilà, là, franchement, il suffirait, sincèrement, il suffirait qu'on ait un fantôme qui débarque et c'est fini. Oh putain! Ah non, pas maintenant! Oh, j'en peux plus, je veux quitter, j'en peux plus, c'est trop chaud. Vite, couvrir un toit. Non, ce sont des loups, ça c'est pas très grave. Les loups, c'est encore gérable. Purée. Petite baraque. Ça. Oh la vache. Laissez-moi tranquille, j'en peux plus. Mais vraiment là, je suis à bout. Nerveusement, je peux plus. Vous le voyez là, je fais n'importe quoi. Bon, écoutez, on va se calfeutrer là. Et écoutez, bon, l'épisode a duré presque suffisamment trop longtemps. Non, mon dieu. Heureusement qu'il a pas tapé dans mes coffres. Je sais pas si vous vous rendez compte. Ouais, je crois que là, les objectifs, c'est un peu mort. Bon, on a tué un tank, finalement. Comme quoi, il y a moyen quand même de faire des choses et d'y arriver. On va garder l'espoir. Je crois que le jour est en train de se lever. Par chance, on va remettre notre lit. Je sais pas si la cobble résiste mieux au tank. Bah écoutez, c'est dans ces conditions un petit peu ultimes qu'on va se dire au revoir. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. C'est le grand n'importe quoi, mais je le répète, quand je commence, je sais pas du tout ce qui va se passer et où on va. Et vous l'entendez dehors, ça hurle dans tous les sens. C'est plus simplement du zombie maintenant, on a de tout et c'est super tendu. Bah écoutez, à très bientôt. Merci de continuer à suivre ces aventures. N'hésitez pas à en parler autour de vous, je pense que... Si vous avez aimé, bah ça peut plaire à pas mal de gens. Au secours! J'en peux plus, c'est horrible. À très bientôt, abonnez-vous à ma page Facebook, aussi à Twitter, pour suivre un petit peu de près ce que je prépare et ce que je... Voilà, suivez-moi où vous pouvez, si vous en avez envie, si le cœur vous en dit encore. Je vais aller récupérer de mes émotions. À très bientôt, les amis, ciao! We'll be right back.